Il a vu les Afars, ces pasteurs guerriers musulmans, les Danakils, tant redoutés de l'époque, auxquels on attribua tant de pillages et de tueries. Les enfants apprennent en observant un passé qui est peut-être aussi leur avenir. Les Kereyou forment une tribu semi-nomade que l'on croise parfois à l'heure où les bêtes s'abreuvent. Rimbaud a vu la fierté et l'élégance des Kereyou. Et tous les visages croisés, la beauté des femmes, les paysages le long des trajets, il ne les décrira jamais. Il a 25 ans, vient de Chypre, a cherché du travail dans tous les ports de la mer Rouge.